dépend de qui? Je vais entendre. Ça dépend de qui? Et tout dit que nous voulons là, ça dépend de qui? Si aujourd'hui, ce petit bout de papier n'est pas à l'intérieur, je rappelle que plusieurs partis politiques, je ne vais pas citer les noms, passaient le temps à bourrer les urnes, plein au feu. Je ne nous demande pas de pleurer parce que nous sommes très nombreux, ne sommes pas pleurés pour le nombre que nous sommes. Nous n'avons pas besoin de bourrer les urnes parce que nous sommes très nombreux. À avoir souffert des embouteillages. Nous avons souffert quand Issa Marcel le trouvait en prix. Parce qu'il a été un homme qui a défendu les héros nations. Ruben Union, Ennesois, Félix Salambo, Martin Bossa. Et on ne peut pas oublier tous les militaires qui sont en train de perdre la vie du côté de l'extrême nord, du côté de Bamenda. Et son petit et il faudra un sifflet. Je veux, président Kanto, que vous soyez encore debout avec le ballon. Il avance. Il avance. C'est simplement magique. Le président Kanto est en train de jongler son ballon. Il tient son ballon précieusement. J'ai effectivement pris la responsabilité de nous marquer ce pénalty. Et je voudrais demander à tous ceux qui sont des candidats d'autres formations politiques, y compris, nous voulons une mutualisation des forces des citoyens. Et ceci, oui, il est vraiment tous les citoyens, et l'unique chance au Cameroun d'avoir des sifflets. Que ceux qui ont les sifflets comme moi mettent sur les lèvres, s'il vous plaît, et on va entendre comme le sifflet de la bite. Parce que le sifflet de la bite ne siffle pas plusieurs fois. Quand c'est un pénalty, c'est... On va attendre le bug. On y va. Non, on n'a pas bien compris. Ceux qui n'ont pas commis le sifflet dans la bouche. Voilà le président. Prenez-les là. C'est ensemble que nous allons. Je demande au caméraman de se reculer un peu. Parce qu'on veut voir le ballon dans les pieds.